Bonsoir, salam alaikum, marhaba bikoum. Mazoul fi l'aoul microscope de ce soir. Donc, avec nos invités, nous allons parler de ce ras-le-bol des étudiants en médecine qui sont en grève en Algérie en plus d'une semaine. Les principales facultés de médecine du pays sont en grève depuis le 16, quasiment le 16 octobre, le 15 et le 16 septembre. Les étudiants réclament notamment plus de postes en résidanat et une revendication qui qualifie justement d'étape clé de leur parcours. Cette grève est sous un slogan phare, celui de le chômeur est payé, le médecin est au chômage. Nous allons donc poser quelques questions à nos invités à propos de cette grève, de la situation de l'université en Algérie, de l'enseignement supérieur d'une manière générale, et pourquoi ces mêmes revendications qui reviennent chaque année, depuis maintenant plus de 10 ans. Chaque année, nous avons les mêmes grèves, les mêmes revendications et les mêmes étudiants, les étudiants de médecine, les résidents, vous vous rappelez tous de l'épisode de 2016, 2017, 2018. Ils étaient violemment tabassés. Donc voilà, c'est le sujet de notre émission de ce soir. Et pour en parler, avec moi, Abdelrahim Moussaouer, universitaire, militant politique. Bonsoir, Abdelrahim. Hossein, bonsoir à toute l'équipe technique d'El Magharibia, bonsoir aux invités. Et merci pour cette invitation qui, je souhaiterais bien sûr, nous permettra de parler de cette situation que traversent les étudiants de façon en règle générale et les étudiants de médecine en particulier. Et c'est l'occasion pour moi d'apporter mon soutien à toutes les revendications légitimes des Algériennes et des Algériens. Merci pour l'invitation. Avec ça, Abdelrahim Moussaouer, avec nous aussi Azouaou Chemrouk, militant politique. Azouaou, bonsoir. Bonsoir Hossein, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à toute l'équipe technique. Je tiens à saluer mon ami Rahim et merci pour l'invitation. Et je tiens aussi à apporter ma solidarité à tous les détenus d'opinion, peu importe l'obédience. Merci Azouaou. Malheureusement, je rappelle juste pour rappeler hein, cette information que nous avons été lâchés par un invité qui lui était médecin, mais bon, pour un imprévu de dernière minute, il ne peut pas être avec nous, malheureusement pour nous, bien sûr. Mais avant de commencer cette émission, je suis très attristé, et nous sommes tous à Maghrébiens, franchement, très attristés par cette mauvaise nouvelle que nous avons appris aujourd'hui, celle du décès de notre ami, de notre fidèle invité de la chaîne El Maghrébien sur nos plateaux, en arabe et en français. C'est le docteur François Doroche, médecin de formation, militant des droits de l'homme. Longtemps et vraiment longtemps, il a défendu la Palestine, toutes les causes nobles et les causes justes, le Liban aussi, bien sûr, et le Hirak en Algérie. Il a plusieurs fois intervenu ici, il a défendu plusieurs détenus d'opinion et il a continué à le faire jusqu'à sa disparition. Donc, Abdelrahim Abtemou, donc par rapport à cette mauvaise et triste nouvelle. Je viens de l'apprendre en même temps que vous. C'est une nouvelle qui nous attriste profondément. Il me semble avoir eu l'occasion de passer, de faire une émission d'ailleurs avec Monsieur François Dorange il y a quelques mois de cela. C'était effectivement pour parler de la situation des détenus politiques et d'opinion en Algérie, la situation des libertés globalement. Le médecin qu'il était, qui défendait farouchement la question des détenus politiques et d'opinion, et la liberté d'expression, les libertés fondamentales globalement en Algérie. Là, franchement, en l'apprenant, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Je suis profondément attristé par cette nouvelle qui s'abat sur nous ce soir. Prions pour lui et puis
Je pense que nous ne saurons pas le remercier assez pour toutes ses participations aux émissions, mais aussi tout ce qu'il apporte à la question des droits de l'homme, à la question du respect de la dignité de la personne humaine. Et voilà, en même titre que je pense que c'était l'ami de l'Algérie, l'ami des Algériens et surtout des détenus politiques et d'opinion qui croupissent dans les geôles du pouvoir qui nous gouverne en Algérie depuis des années, notamment les détenus du Hirak. Paix à son âme, Rabbi Rahmo. C'est une triste nouvelle que je pense qu'on partage ensemble ce soir sur la chaîne d'El Magharibia. Merci Abdelrahim Azouaoui. Avant de vous donner la parole, on va écouter un petit extrait justement de François Dorange sur El Magharibi. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des détenus d'opinion qui sont emprisonnés en Algérie. Détenus pourquoi? Parce qu'ils ont exprimé des opinions où ils ont exercé pacifiquement leur liberté et cet espace civique qui a été normalement qui doit être ouvert à toute la société civile n'existe malheureusement pas sans entrave en Algérie. On peut dire que l'état de droit aujourd'hui en Algérie souffre un peu de cette défaillance. On peut dire aujourd'hui ces libertés fondamentales qui sont normalement non négociables, la liberté les libertés fondamentales, on peut négocier tout sauf cela, ne sont pas depuis la révision de la Constitution en 2020 et certaines lois liberticides ont consolidé malheureusement l'autoritarisme. Contrairement aux engagements internationaux de l'Algérie en matière de droits humains. Parce qu'en rappelant quand même que l'Algérie s'est engagée devant les nations du monde entier à s'ouvrir, et puis c'est le contraire qui s'est produit. Aujourd'hui, on voit une chape de plomb, si vous voulez, qui pèse sur cette autorité, sur cette société civile algérienne depuis 2019. فالأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إن لله وإليه راجعون. بيرحبوا أزواو. Honnêtement, je viens d'apprendre la nouvelle à Hussein, pour être honnête, et puis franchement, c'est affligeant et c'est attristant d'apprendre le décès de François de Roche. J'ai quand même fait quelques émissions avec François de Roche, donc, qui était quand même un fin connaisseur de la situation des droits de l'homme en Algérie. Et franchement, je suis attristé, donc je présente toutes mes condoléances à sa famille. Et je lui souhaite une paix à son âme. Et franchement, je suis vraiment attristé, je viens d'apprendre la nouvelle. Merci, Azouaou. Afès Yafour, paix à son âme. Je reviens donc à notre sujet de ce soir, le ras-le-bol des étudiants de médecine, ce qu'on appelle les résidents en Algérie. Mais pour comprendre très bien cette situation, une étudiante en médecine justement a publié cette vidéo pour nous expliquer, pour expliquer à tout le peuple algérien ce qui se passe. لازم تروح الولايه بعيده على ولايتك تصوره كيما راه ولا راجل ولا ما يهمناش اوكي مالا معليش نجوز الامتحان تاع التخصص ماشي مشكل هي بصح راك 7000 واحد حنا نفتحوا غير 800 بوست كيفاش ما فهمتش تما ما نقدرش ندير تخصص اللي حباتو لا لا لازم تكلاسي مع 800 ودير التخصص اللي صح لك اوكي خلاص مالا ندير هكذا بصح اذا درت التخصص هذاك وما خرجتش عليا ما لقيتش روحي فيه ولا ما قدرتش نخدم فيه من قلبي نقدر نديميسيوني ونعاود نجوز الكونكور واه الا درت هكذا راك مقصر من امتحان التخصص لمده 3 سنوات علاه باسكو كاين نقص في الاطباء المختصين كيفاش كاين نقص ماشي هدا من قلت لي بلي كاين 7000 مترشح و800 منصب للتخصص برك
كيفاش راكم تحسبوا المناصب؟ ماشي على حسب احتياج كل مستشفى، لا لا نحسبوهم دراهم. شحال اقل مصروف نقدروا نصرفوه على الاطباء المقيمين بلا ما نخلو المستشفى فارغ بلا اطباء كاع؟ خلاص راي ليكم. ما ندرني تخصص ني ندير جينيراليس، اظن باك ديبلوم تاعي نروح نخدم به في الخارج، ندير تخصص ثاني حداتو. ماكش سامع بالقانون اللي خرج؟ ممنوع المصادقه على شهادات الاطباء. هي واش معناتها هذه؟ معناتها تريح هنا، ما تخدم طبيب عام، ما نفتحوا لك مناصب تخصص، ما نخلوك تحت تسافر باش تخدم برا، واخبط راسك في الحيط. Abd Rahim Moussaouer, donc ce ras-le-bol qui a évolué en grève générale un peu partout en Algérie, hein, dans plusieurs universités, je cite Oran, Sétif, Batna, Annaba, Tizi Ouzou, Béjaïa, Alger, bien sûr. Je pense qu'il y aura, d'autres universités qui vont suivre parce que, connaissant notre peuple, connaissant les étudiants algériens, il y a cette communication, il y a ce courant qui passe rapidement entre les étudiants de façon globale. Et là, nous assistons ces jours-ci à ces grèves qui concernent plutôt précisément les différentes facultés de médecine. C'est une permet aussi dans un premier temps. La dame qui vient de passer sur la vidéo, j'imagine qu'elle fait partie de ces Algériennes et de ces Algériens qui font des vidéos sur Internet, qui exposent leur point de vue. J'espère qu'elle ne sera pas inquiétée parce que, vu la nature du système qui nous gouverne en Algérie depuis 62 et de façon un peu plus coriace, plus cruelle depuis 2019, en s'abattant sur le Hirak, ce mouvement large, national, mené par toutes les Algériennes et tous les Algériens, à chaque fois qu'il y a des voix discordantes qui s'expriment soit dans la rue, soit sur les réseaux sociaux, soit par vidéo, comme vient de le faire notre concitoyenne, nous savons quelles sont les conséquences, nous savons les risques qu'encourent nos concitoyens qui s'exposent aujourd'hui à des emprisonnements abusifs, injustifiés, à des arrestations inhumaines. Et de l'autre côté, je pense que la question, bien sûr, il y aura certainement des spécialistes qui sont mieux informés, qui sont des connaisseurs plus que moi dans ce domaine, mais ça rejoint ces revendications qui ont toujours été à l'œuvre chez les étudiants de médecine en Algérie. N'oublions pas que ces mouvements de contestation ne sont pas inédits. En novembre, décembre 2017, et ça a continué jusqu'à 2018, nous avons vu de nos concitoyens médecins mener des mouvements de grève, de manifestation, et on a vu par la suite la violence qui s'était abattue, des blouses blanches qui sont transformées en blouses rouges à cause du sang qui s'était versé dessus, et c'est le sang de nos concitoyens, c'est le sang de nos médecins, dans un pays où les médecins se font tabasser, dans un pays où les enseignants se font tabasser, dans un pays où les syndicats, les associations et des partis politiques sont dissous. Aujourd'hui, je pense que mener ce genre de manifestation, faire des mouvements et faire la grève relève d'un courage inouï. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, d'un côté, cela relève des besoins dans le secteur de la médecine, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Et de l'autre côté, cela relève du courage quand nos concitoyennes et nos concitoyens et futurs médecins. Vous insistez sur le terme courage, et c'est très bien parce que j'ai essayé d'inviter des étudiants aujourd'hui. En fait, ils ont peur, hein, tout simplement. Vous savez, Hossein, le fait de ne pas répondre à une invitation, de ne pas passer sur la chaîne d'El Magharibia, ne veut pas dire que nos concitoyens manquent de courage. C'est peut-être un excès de lucidité, c'est peut-être une réflexion, donc c'est des mesures qui sont bien réfléchies. Je serai là, je suis à Paris, je participe à une émission et je vous en remercie d'ailleurs pour l'invitation, mais je serai peut-être le premier à dire à mes concitoyens, à certaines personnes, à certains concitoyens en Algérie, de faire très attention, notamment de prendre la parole en public, notamment de passer sur cette chaîne d'El Magharibia que le pouvoir en Algérie tente, tant bien que mal,
coûte que coûte de, c'est-à-dire de ils tentent de museler. Heureusement, je pense que nous militants, c'est-à-dire les militants qui sont à l'étranger, nous sommes dans le devoir d'exprimer, de prendre la parole, de dire ce que nos concitoyens peuvent dire et qui pourrait avoir des répercussions plus tard. Merci Abdelrahim Moussaouer. Azouaoua Chamrouk, nous allons regarder quelques slogans justement qui ont été scandés par ces médecins. Azouaou, pourquoi Azouaou Chemolouk, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes revendications depuis maintenant plus de 10 ans qui reviennent chaque année. Où est le problème? Vous savez, Hussein, c'est que ce problème de la santé, c'est un problème politique avant qu'il soit un problème corporatiste ou un problème, c'est-à-dire sectoriel. C'est le propre de tous les secteurs en Algérie. C'est un problème politique. C'est la mère de tous les vices, si on peut dire. C'est-à-dire que en l'absence de légitimité politique, c'est-à-dire le pouvoir ne cherche pas en réalité à résoudre les problèmes des Algériens. D'ailleurs, il ne l'a jamais fait. Le pouvoir algérien, depuis 1962, il n'a jamais réussi à résoudre le moindre problème de l'Algérien. Au contraire, il est là comme un obstacle, c'est-à-dire que non plus il ne résout pas les problèmes des Algériens, mais il est là comme un obstacle et l'empêche les Algériens de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Donc c'est un problème de légitimité politique, parce que la volonté de ce pouvoir d'aller dans le sens de résoudre les problèmes des Algériens, tout secteur confondu, est absente. On va prendre un exemple très concret. Le budget 2025 de l'Algérie, la santé a bénéficié, je crois, de 6 milliards et quelques, on va dire 7 milliards de dollars. Alors que si on prend le secteur de la défense, il a bénéficié de 25 milliards de dollars. En rajoutant à cela le secteur de l'intérieur, ça veut dire quoi le secteur de l'intérieur, pour être honnête? C'est le secteur de la sécurité et des renseignements. C'est aussi simple que ça. Donc si on prend la défense plus la sécurité et les renseignements, on est à peu près dans les 35 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 7 fois plus le secteur de la santé. Ça démontre le logiciel avec lequel fonctionne le pouvoir algérien. C'est un logiciel sécuritaire, tout sécuritaire. C'est un logiciel militariste. Et ça ne m'étonne pas de la part d'un pouvoir qui est là, qui s'est imposé grâce à la violence, grâce à la force militaire. C'est aussi simple que ça. Donc Tebboune, il ne faut pas s'attendre à ce que Tebboune ou Chengriha ou ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui viennent résoudre les problèmes des Algériens et en général et le problème de secteur de la santé en particulier. Il y a une explication sur la table Azouaou qui est tout simpliste, hein, je veux dire, peut-être même certains la qualifient de populiste, mais les Algériens avancent l'idée que ces dirigeants justement en Algérie ne se soucient pas du tout de ce secteur parce qu'ils se soignent à l'étranger. Et bien sûr, commençant par Tebboune. Si vous voulez, c'est un des éléments, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est que le secteur de la santé, c'est-à-dire la déliquescence du secteur de la santé, la misère dans laquelle se trouve le secteur de la santé, ne touche pas les plus influents au pouvoir. C'est un peu comme l'éducation, le secteur de l'éducation, c'est un peu comme tous les secteurs, c'est-à-dire que si vous voulez,
la société algérienne est divisée. Il y a la société dont, ou l'Algérie dans laquelle vit le pouvoir ou les plus influents ou ceux qui ont de l'argent pour se permettre, c'est-à-dire des privilèges ou des prérogatives. Il y a le reste des Algériens qui vivent la véritable Algérie. Donc, si vous voulez, ça peut être un élément dans lequel qui peut expliquer ça, parce que je parlais de la légitimité politique. Si le pouvoir était légitime, c'est-à-dire si le pouvoir était, c'est-à-dire élu par la population, par le peuple, il aurait travaillé par ce peuple, pour ce peuple, pour satisfaire ses besoins. Mais ça n'a jamais été dans l'agenda du pouvoir d'aller satisfaire. Vous savez, c'est que c'est aussi simple, malheureusement, parce que parfois on a tendance à expliquer les choses, à analyser les choses c'est-à-dire à travers les plus belles règles politiques, économiques, mais quand on est face aux réalités algériennes, les choses ils sont aussi simples. C'est que vous avez un pouvoir qui s'est imposé d'une manière violente et là, il sert ses intérêts. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, Tebboune ou Chengeliha, son seul souci, c'est de se maintenir au pouvoir. Il n'y a pas d'autres soucis. C'est-à-dire que quand on voit tout, c'est-à-dire que toutes les politiques... si on peut les appeler même politiques. D'ailleurs, donc on va les appeler politiques parce que c'est par respect par l'État algérien. Mais si vous voulez, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de politique. C'est des gens qui naviguent à vue, c'est-à-dire qu'en fonction des humeurs, en fonction des intérêts du moment. Vous savez, dans le budget de 2025, il y a, je crois, 15 milliards qui ont été, on les appelle, c'est-à-dire des dépenses non programmées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on met à la disposition du pouvoir algérien des sommes colossales en fonction des aléas du moment. Vous savez, c'est que si on prend le budget de la présidence de la République, on l'a vu se multiplier par combien de fois entre l'ère de Bouteflika et l'ère de Tebboune. L'ère de Tebboune, il a atteint, je crois, les 700 milliards d'euros. Vous savez, c'est qu'une présidence de la présidence algérienne, c'est que on peut pas la comparer à la Maison Blanche ou à l'Élysée ou à d'autres, c'est-à-dire à la présidence. À la présidence chinoise, c'est que l'Algérie, c'est un pays pauvre, c'est quand on le comparant aux autres. Mais quand on compare le budget du Palais de Mouradia, on trouve qu'il dépasse largement celui de l'Élysée, ou peut-être il est au même niveau, mais je pense qu'il le dépasse largement. C'est pour vous dire que l'État ou la psychologie de ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'allouent autant d'argent, autant d'enveloppes, pour ils se servent de l'argent des Algériens comme ils veulent. C'est comme si c'était leur propre argent. Et le dernier souci, c'est l'Algérien ou c'est la santé des Algériens. Quand on prend le budget, ça veut dire quoi? Le budget de la défense qui est de 25 milliards et de 10 milliards, ça veut dire 35 milliards tout confondu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, et quand on voit le budget de la santé qui est de 7 milliards, ça veut dire quoi? On va protéger qui? On va protéger un Algérien malade? On va protéger un Algérien souffrant? On va protéger un Algérien mourant? Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à protéger l'Algérie. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans ces sommes colossales qui se sont attribuées, il y aura certainement des commissions, ils vont se partager les commissions. Sous l'ère de Bouteflika, on était dans ce qu'on appelait le rachat de la paix sociale. Et sous l'ère de Tebboune, on est arrivé à ce qu'on appelle le rachat de la paix des militaires. Tebboune, il a distribué de l'argent pour que les militaires le laissent tranquille, pour que les sécuritaires le laissent tranquille. C'est aussi simple que ça. Mais en détriment de quoi? Au détriment de la santé, au détriment de l'éducation, au détriment de tout ce qui est social, tout ce qui peut c'est-à-dire apporter un épanouissement social pour les Algériens. Il suffit d'attribuer ou d'allouer plus d'argent au secteur de la santé, aux médecins. Le médecin généraliste aujourd'hui, d'après mes informations, il est payé à 75 000 dinars. Qu'est-ce que apporte 75 000 dinars? Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas vous payer un montant de l'Aïd, Kebch l'Aïd. Un médecin, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre dignement. Alors que les Algériens, ils cherchent à vivre dignement. Ils travaillent. Normalement, on dit que tout travail mérite salaire. Alors que... Il y a des médecins qui ne travaillent pas. Le vrai problème à Zouaou, c'est peut-être ça aussi. C'est qu'il y a plus de 9 000 médecins chômeurs en Algérie.
Et rien que cette année, il y a plus de 20 000 étudiants inscrits en médecine. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est que. En fait, là, si vous voulez, si on rentre dans le secteur. C'est pour ça que moi, j'ai préféré l'analyser politiquement ou d'apporter des éclaircissements, oui, politiques. Mais on peut parler sectoriellement, c'est-à-dire, quand il y a autant de médecins, quand il y a autant d'étudiants en médecine qui sortent chaque année, c'est-à-dire qui ont des formations, qui ont des diplômes, qui sortent chaque année, qui ne trouvent pas de débouchés dans la société, dans le marché du travail, si on peut l'appeler comme ça, il y a un problème de stratégie, il y a un problème de vision de ce pays, de ce pouvoir. C'est aussi simple que ça, parce que c'est vrai que le secteur de la santé, c'est un casse-tête de tous les pays. Mais on prend l'exemple de la France. La France, ils ont instauré une fois ce qu'on appelle le numerus clausus. Ça veut dire qu'ils ont restreint le nombre de médecins parce qu'à un certain moment, ils avaient beaucoup plus de médecins qui sortaient sur le marché du travail. Donc, ils étaient obligés de restreindre. Ouais. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la problématique de pénurie de médecins. Mais la France, c'est un pays riche. La France, c'est un pays qui est dirigé par des politiques. C'est vrai qu'ils ont fait des politiques hasardeuses, si on peut les appeler comme ça, à un certain moment, ou des politiques qui s'avèrent aujourd'hui des politiques fausses. Mais comme c'est un pays qui est dirigé par des politiques, par des civils, ils essaient de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé cette clause de numerus clausus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est d'ouvrir le nombre de médecins à ce que la société ou le marché du travail puisse être alimenté par le nombre de médecins qu'il faut. C'est vrai que former un médecin, ça prend 7 ans ou 12 ans, voire plus. Donc, le temps que la France arrive à la satisfaction de ses besoins, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel aux médecins étrangers, notamment les Algériens. Mais comment qu'ils font appel? C'est en leur offrant une vie digne, en leur offrant un salaire digne, en leur offrant une situation digne d'un médecin. C'est ça. Alors, l'une des revendications aussi phares, peut-être, de cette grève par les étudiants, c'est ça, sa relation justement avec le départ, justement, en France, en Allemagne ou un peu partout aujourd'hui dans le monde. C'est que justement, les étudiants réclament plus de postes de résidanat, l'homologation des diplômes pour qu'ils puissent justement soient reconnus à l'étranger, l'amélioration des conditions d'encadrement et de formation dans les centres hospitaliers universitaires, ou encore des garanties d'emploi après la formation. Voilà, c'est ça et surtout la fin du gel des homologations de diplômes. Donc, ils ont, Abdelrahim Moussaouer, les étudiants ont été reçus par le ministre, donc le 20 octobre. Une réunion qui a duré 8 heures, je pense, 8 heures de travail avec les étudiants. Mais les étudiants sont sortis de cette réunion non satisfaits parce que les mesures qui ont été prises, je rappelle que voilà, la mesure promesse d'augmenter les postes de résidanat de 3045 à 4045, donc il a rajouté 1000 postes, mais les étudiants sont encore dans la rue. Abdelrahim. Revenir sur un point très important, Hossein, si tu me permets, c'est que depuis qu'il y a eu le début de ce mouvement de grève mené par les étudiants des différentes facultés de médecine, la presse aux ordres n'en a pas parlé tout à fait. Ou peut-être... quelques détails en insinuant qu'il s'agit d'un mouvement tout à fait normal dans les universités. C'est lorsqu'il y a eu la proposition du ministère de l'enseignement supérieur, c'est quand il y a eu donc cette invitation à une discussion, à un débat, que certains journalistes de la presse aux ordres se sont empressés pour aller donner la nouvelle comme quoi les problèmes sont pris en charge par le ministère de l'enseignement supérieur, comme quoi l'État il est là pour répondre aux revendications. Mais moi j'invite nos compatriotes journalistes à faire du travail, c'est-à-dire à dire réellement
ce dont souffre le secteur de l'enseignement supérieur, le secteur des facultés de médecine en Algérie, de dire réellement, c'est-à-dire de soulever ces problématiques, de faire tout simplement leur travail. De l'autre côté, il me semble qu'il est important de rappeler que depuis des années, que le pouvoir en Algérie interdit toute manifestation, toute contestation dans la rue. Nos frères, nos sœurs, futurs médecins, donc étudiants dans les facultés, les différentes facultés de médecine, ont mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est que tout va mal en Algérie. C'est que tous les indicateurs, dans n'importe quel domaine, ils sont en rouge. Aujourd'hui, nous assistons à cette problématique, donc à ces revendications dans le secteur universitaire, mais regardons de près aussi ce qu'il se passe dans le domaine du sport, dans le domaine de l'éducation nationale, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la solidarité nationale. Donc là, tous les indicateurs sont au rouge dans tous les domaines. C'est ce qui présente un danger pour notre pays, avec un système qui continue de dire « tout va bien en Algérie », avec un système qui continue de vanter ses réalisations en disant bien sûr « l'intisarat, l'fahama », etc. Mais la réalité, la réalité du terrain, elle est tout autre. Et puis la problématique, c'est une problématique politique et globale qui nécessite un traitement radical, c'est-à-dire un traitement de la base. Et la base dans tout ça, c'est lorsque les institutions soient légitimes. Il faut que les institutions dans le pays soient légitimes, émanent non seulement de la volonté populaire, mais aussi de la légitimité, du peuple. Nous avons des ministères qui vantent des réalisations qui nous donnent, qui essaient de vendre l'idée ou une image d'une Algérie prospère sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de solidarité, sur le plan médical. Mais en réalité, dans un pays qui se respecte, dans un État où les institutions sont légitimes, les trois secteurs du sport, de l'éducation et de la santé sont les secteurs clés. Voyons voir aujourd'hui les moyens qui sont mis en place, qui sont mis à disposition de ces secteurs, qui sont minimes par rapport au secteur de l'armée, par rapport au ministère de la Défense nationale. Nous ne demandons pas à ce qu'il n'y ait pas de financement des différents secteurs, mais nous demandons à ce qu'il y ait un véritable changement qui va ramener une véritable gestion des affaires courantes du pays. Donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à nos compatriotes étudiants en médecine, c'est qu'ils ont soulevé un point très important que nous pourrions multiplier, et c'est le cas dans tous les domaines. C'est ce qui nous ramènera, bien sûr, incontestablement, à parler de la légitimité, à parler du point fondamental qui constituerait bien sûr l'élément de base dans chaque pays, qui est la liberté, les libertés fondamentales, la liberté de s'exprimer, la liberté de gérer son pays. Tant que nous sommes entre les mains du même système néocolonial qui a hérité des méthodes coloniales, je le dis et je l'assume, parce qu'un système qui affame, qui assoiffe son peuple, un système qui casse toute opportunité pour ces jeunes, pour les jeunes de son pays, de s'épanouir, de construire et de bâtir leur pays, ne peut être qu'un système néocolonial qui a hérité des méthodes coloniales d'hier. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où les revendications des médecins dans les facultés, etc., sont légitimes et qui s'ajoutent revendications que le système en place essaye de museler sur le plan social, sur le plan de l'éducation. Donc aujourd'hui, ça s'inscrit dans la continuité. De 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que les facultés de médecine en Algérie sont en pleine crise. La crise, bien sûr, elle remonte à des années avant. Mais depuis 2017, si nous regardons de près ces revendications des médecins qui n'ont pas changé d'agnota, qui sont toujours les mêmes, ça reflète exactement ce dont souffre la société algérienne. Je vous donne un simple exemple. Quand on parle de l'obtention des diplômes, c'est-à-dire ce qui permettrait à un médecin algérien d'exercer soit en Algérie ou ailleurs, Hossein Ed Hamid, à un moment donné, disait « Le pouvoir algérien, non seulement, il ne...
Ce n'est pas qu'il n'arrive pas à régler les problèmes des Algériennes et des Algériens. Il ne veut pas les régler. Il n'arrive pas à les régler, mais il a cette intention, c'est-à-dire cette volonté de bloquer toute opportunité qui ramènerait vers des solutions. C'est cette situation qui continue aujourd'hui. Des Ça allait médecins. être ma question, justement, Moussaoui, pourquoi on n'arrive toujours pas à trouver des solutions fiables et définitives à ce genre de problème? Et pourquoi ne pas ouvrir un débat national, par exemple, sur ces questions? Pour ouvrir un débat national, Hussein, la première des choses, c'est l'apaisement. La première des choses, c'est de rassurer les uns et les autres. C'est de rassurer les citoyennes et les citoyens. C'est de rassurer des militants. C'est de rassurer des syndicalistes. C'est de rassurer les partis. C'est de rassurer tout simplement un peuple qui a soif de liberté. Un peuple que j'imagine et j'en suis sûr que tout pays au monde souhaite avoir. Parce qu'avec tout ce que le peuple a vécu, avec tous ces marasmes, tous ces problèmes, toutes ces injustices, tous ces abus, le peuple algérien a toujours prêché la silmia, a toujours prêché le pacifisme. C'est une façon de dire à ce régime, malgré tout ce qui s'est passé depuis 1962, le peuple est là pour trouver des solutions pacifiques. Donc, pour appeler à un débat national, il faut mettre en place des préalables. Le préalable aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ouverture du champ politique, c'est l'ouverture du champ médiatique, c'est la permission, c'est de permettre au peuple de reprendre ces espaces d'expression populaire. Un peuple qui n'arrive pas à s'exprimer, soit à la télé, soit à la radio ou dans la rue, est-ce qu'on peut faire en sorte, est-ce qu'on peut vanter l'idée d'un débat national? Un débat national ne peut se faire que lorsque Je les reviens conditions juste sont apaisées. à Abdelrahim Moussaoui, de l'eau à votre moulin, justement. Il faut rappeler aujourd'hui que des étudiants en médecine sont encore en prison avec ce qu'on appelait le hirak des étudiants chaque mardi. Donc il y a des étudiants en médecine qui croupissent encore aujourd'hui derrière les barreaux, enfin, et d'autres spécialités aussi. Absolument. Vous avez des étudiants, vous avez des enseignants qui sont en prison. Mokhenach, Mira Mokhenach, qui est encore en prison aujourd'hui. Vous avez des syndicalistes, vous avez Ihsan Qadi, vous avez Mohamed Ghasmi, vous avez le poète du Hirak de la Silmia, Mohamed Tajaddif. Lorsqu'on voit les prisons en Algérie, quand on voit tous ces militants, tous ces citoyens qui sont emprisonnés tout simplement parce qu'ils ont exprimé leur point de vue, parce qu'ils ont exprimé surtout leur volonté de voir un pays, de voir notre Algérie s'épanouir, se font emprisonner, ça veut dire qu'il est difficile aujourd'hui d'attendre de ce système à ce qu'il y ait un débat national. La concertation Oui, que mais le au peuple moins est en train sur de cette vivre. question, Abdelrahim Moussaoui, moi, quand je parlais autour de cette question de la santé, par exemple, inviter des professeurs, inviter des doyens, inviter des médecins, inviter des Algériens d'ici, de là-bas, etc. Faire une rencontre nationale, un débat d'une semaine, des séminaires, etc. Essayer de régler ces problèmes. Il y a beaucoup de problèmes comme ça en Algérie, dans plusieurs secteurs, mais on n'en parle pas. On préfère pourquoi on préfère le silence? Alors, nous sommes trois sur ce tableau, sur ce plateau, pardon, à vivre dans un pays, à Paris, en France. Si nous mettons le point sur le nombre de médecins, d'ailleurs, tous ces médecins algériennes et algériens que je salue, qui sont dans les hôpitaux français, qui constituent un grand pourcentage dans les centres médicaux, dans les grands hôpitaux français, vous pensez que ces médecins ne voudraient pas un jour aller apporter leur pierre à l'édifice dans leur cher pays? Je ne pense pas. Tous ces médecins, ainsi que d'autres cadres dans d'autres domaines, voudraient un jour voir leur pays leur ouvrir les portes pour trouver des solutions. Aujourd'hui, nous sommes face à un système qui a une façade, mais qui a une colonne vertébrale. La façade, c'est de montrer que le pays se porte bien. La façade, c'est de montrer que tout va bien, que nous pouvons mener des discussions, que nous sommes là pour mener des négociations avec les différents secteurs, avec les différentes parties du même domaine pour la solution. Mais en réalité, derrière, il ne faut jamais que le citoyen algérien s'épanouisse. Il ne faut jamais apporter des solutions aux problèmes dans lesquels vivent les citoyens. Est-ce qu'ils Parce sont que aujourd'hui plus nos conscients, citoyens Abdelrahim Moussaoui, est-ce vivent qu'ils sont dans les conscients problèmes, ne serait-ce aujourd'hui, qu'elle est plus. là-haut au sommet, hein, que si les Algériens, justement, ne sont pas dans la rue, enfin, je parle de tous les secteurs, c'est parce que, justement, il y a cette peur, justement, de la prison, c'est tout. Sinon,
on pourrait, je sais pas, voir tous les Algériens demain justement sortir dans la rue. Vous avez des Algériens qui ont peur d'aller en prison, mais vous avez aussi des Algériens qui savent gérer cette façon de traiter la question politique, les questions sociales, les questions économiques du pays. Vous avez des Algériens qui croient en les capacités de ce peuple un jour de réagir de la façon la plus pacifique qui soit. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en 2019. Après des dizaines d'années de répression, de musellement des libertés fondamentales, après des années de piétinement des droits fondamentaux, un peuple s'est réveillé de la façon la plus pacifique qui soit. En plus, n'oublions pas que le peuple, s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui est le plus conscient des enjeux du moment, que ce soit sur le plan national ou international, c'est bien sûr le peuple algérien. Ce peuple qui essaie de vivre son quotidien. N'oublions pas que la question économique et la question sociale en Algérie aujourd'hui, elle est terrible. Ouais. Nos concitoyens n'arrivent même plus à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Merci Abdelrahim, restez avec nous. Abdelrahim, restez avec nous. Je dois donner un peu quand même de la parole à Ezouaou. Ezouaou, on va regarder Tebboune et je reviens. On va continuer. On va continuer. أن نظام منظومة صحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا حب من حب وكره من كره وكانت وليدة رؤية نتاع حماية المواطن طب المجاني مثل ما كان طب مجانية التعليم مثل كذا كانت ماشية استثمارات بآلاف الملايير ما عدناش أزواو Nous avons le meilleur système de santé donc en Afrique, etc. Kouwa Dariba, l'Algérie est une force de frappe. Il y a de l'argent. Wahed Meysel li qalnat Boun, etc. Pourquoi alors les Algériens veulent fuir l'Algérie? Les médecins, et même lui d'ailleurs, même Boun se soigne en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Saber Hussein, c'est que vous avez dit, vous avez répondu à votre question, c'est que même lui se soigne en Allemagne. C'est-à-dire que c'est une cinglante réponse, c'est-à-dire au système algérien. Il peut avoir raison, c'est-à-dire en disant que l'Algérie, le système de santé en Algérie, il est meilleur ou le meilleur en Afrique du Nord. En Afrique, je doute fort, parce que nous comparons à l'Afrique du Sud, je ne pense pas qu'on soit les meilleurs. Mais peut-être qu'en Afrique du Nord, c'est parce que si on compare notre système de santé ou l'argent que dépense le pouvoir ou l'État algérien dans la santé par rapport au Maroc, par rapport à la Tunisie, par rapport à la Libye, peut-être qu'on est les meilleurs. Mais le problème, c'est quand on se compare aux plus pauvres, quand on se compare aux plus corrompus que nous-mêmes, ce n'est pas une comparaison. C'est-à-dire que c'est du pareil au même. Donc, ce n'est pas une comparaison et ça ne veut pas dire que le système de santé de l'Algérie est un système de santé quand même efficace et efficient, qui est guéri et qui fait en sorte à ce que les Algériens vivent dans un système de santé quand même assez confortable. Donc ça ne veut rien dire. Il peut avoir raison, hein, c'est-à-dire sur ce sujet-là. Donc en déclarant qu'on est un système de santé le meilleur en Afrique du Nord. Mais ça ne veut rien dire réellement, parce que les Algériens meurent, les cancéreux meurent, les cancéreux attendent des mois et des mois pour une chimio, pour une radiothérapie, jusqu'à ce qu'ils meurent malheureusement. Il y a des opérations qu'on peut pas faire en Algérie, qu'on peut pas réussir en Algérie malheureusement. C'est pas parce que les médecins sont incompétents, bien au contraire, il y a des médecins, on est animé de bons médecins, on est doté de bons médecins et qui sont animés de la meilleure volonté du monde, mais quand il n'y a pas les moyens, malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'il faut des moyens pour pouvoir réussir certaines opérations. C'est pour ça que chaque année, malheureusement, on voit des milliers, des centaines, voire des milliers de cagnottes sur Internet pour aider les malades à se soigner à l'étranger, voire en Europe, voire en Turquie. Donc cela est une réponse cinglante à ce pouvoir. Mais je disais tout à l'heure,
Le pouvoir, ce qu'il importe, ce n'est pas la santé des Algériens, ce n'est pas l'état de santé de secteur de la santé, si on peut l'appeler comme ça. C'est comment se maintenir au pouvoir. Donc, ils dépensent tout l'argent qu'il faut pour rester au pouvoir. Donc, l'état de santé des Algériens ou le niveau d'éducation des Algériens ou l'épanouissement social, économique et sanitaire des Algériens, c'est le cadet de ces soucis, malheureusement. Bon, Malich Azouaou, le pouvoir ne nous y intéresse pas. Où est passée l'élite? Où sont passés les partis politiques? Où sont passés les parlementaires? Où sont passés tous ces gens? La presse? Où se sont passés tous dans ce genre justement de problèmes? Pourquoi on ne les voit pas, on ne les entend pas? Ça va, Hussein, c'est une question très, très importante, mais aussi il faut qu'on fasse attention à quelque chose, parce que le pouvoir, il a tendance à nous amener vers un terrain que le pouvoir souhaite, souhaite que la classe politique ou que ça veut dire ceux qui s'intéressent à la politique en Algérie, c'est-à-dire le pouvoir souhaite à ce qu'il les amène dans ce terrain, lequel, c'est-à-dire sous l'ère de Bouteflika, on a tendance à dire Hatul Badi, c'est-à-dire que ramener l'alternance. Mais il faut laisser les gens apporter une alternance. C'est-à-dire que le pouvoir, il a fait en sorte à ce qu'il n'y ait plus d'alternance, et puis il reproche à la classe politique de ne plus avoir l'alternance. Une alternative. Malheureusement, oui. c'est un lapsus, c'est une alternative, ouais, parce qu'on n'a plus d'alternance au pouvoir. Bon, voilà. Donc, il nous ramène toujours à cette question d'alternative, c'est-à-dire qu'il empêche la classe politique, il empêche les gens, toutes les classes corporatistes, si on peut les appeler, d'apporter une alternative. Il empêche les gens d'agir, c'est-à-dire que même sur le secteur privé, donc il a tout muselé, il a tout fermé, il a tout contrôlé, et puis il reproche aux gens de ne plus apporter une alternative. C'est ça en fait le sujet dans lequel il ne faut pas tomber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est pas, en fait, on nous exige une alternative, mais il faut me laisser apporter une alternative. Si on était dans un système d'alternance au pouvoir, si on était dans un système démocratique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, autant qu'opposant politique, si j'apporte une alternative à ce pouvoir, je serai élu par le peuple. Oui, là, vous pourriez me reprocher de ne plus apporter une alternative. Mais aujourd'hui, qu'on connaît une alternative ou pas, le pouvoir ne vous empêche d'avoir d'appliquer cette alternative. Donc il faut pas qu'on tombe dans le jeu du pouvoir où ils nous disent, voilà, de toute façon, il y en a ceux qui nous accusent ou accusent l'opposition ou la classe politique de ne plus avoir une alternative. Ce n'est pas vrai. Il faut laisser les gens apporter une alternative. Mais je sais une chose, c'est que le pouvoir ne va pas nous laisser apporter une alternative. Ça, c'est sûr, parce que si une alternative doit avoir lieu, c'est au détriment du pouvoir. Donc, il ne va pas laisser, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si demain, il y a une démocratie, il y a une alternance au pouvoir, si demain, l'opposition prenait le pouvoir, c'est que ça vient, la première chose qu'il va demander, c'est la tête de du pouvoir actuel, de Tebboune. Mmh. Donc, la classe politique, tout dépend de quelle classe politique. Maintenant, si on parle de l'opposition, ou de moi, ce que j'appelle la résistance, à l'heure actuelle, je l'appelle la résistance, parce que c'est des gens dignes, c'est des partis dignes qui essayent d'activer, qui essaie de travailler sous des conditions de totalitarisme, sous des conditions de dictature, et ils sont vraiment dignes. Moi, je les appelle résistance. Ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans le secteur de la santé, merci, dans tous les secteurs. Mais ceux qui sont à la solde du pouvoir, pour moi, ils ne sont pas de la classe politique, ils jouent juste un rôle de façade, c'est tout. Merci Azouaou Chemalouk Atik Saha. Merci Abdelrahim Moussaoui. Un dernier mot, Abdelrahim Moussaoui, rapidement, 30 secondes, Glané. Je tiens indéfectible à nos compatriotes étudiants en médecine, mais à tous les étudiants en Algérie, parce qu'ils ont su montrer que dans l'un des secteurs les plus importants dans un pays,
tout va mal. Ça montre également que c'est tout le système, c'est-à-dire ce sont toutes les institutions de l'État qui ne se portent pas bien, et c'est ce qui constitue le plus grand danger. Mais je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on n'a pas de repères en tant que militant, syndicaliste, etc., le peuple nous montre le chemin. Merci Abdelrahim Moussaouer, merci Azouawaj. Donc je rappelle juste avant de nous quitter que le Geneza de Dr François Deroche, vous voyez sa photo, aura lieu donc le vendredi prochain après Salat al-Jumu'ah à la mosquée Saint-Ouen, mosquée Al-Hashimi, métro Garibaldi, ligne 13. Donc après Salat al-Jumu'ah, la mosquée Saint-Ouen, Al-Hashimi, métro 13, Garibaldi. Voilà. Pour Salat al-Janaza ala Dr François Deroche Rabbi Rahmo. Merci à vous toutes et à tous. On se revoit demain, Inch'Allah. Salam alaikum. Imadilan. Nous devons dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des détenus d'opinion qui sont emprisonnés en Algérie. Détenus pourquoi ? Parce qu'ils ont exprimé des opinions où ils ont exercé pacifiquement leur liberté, et cet espace civique qui a été normalement qui doit être ouvert à toute la société civile n'existe malheureusement pas sans entrave en Algérie. On peut dire que l'état de droit aujourd'hui en Algérie souffre un peu de cette défaillance. On peut dire aujourd'hui ces libertés fondamentales qui sont normalement non négociables, la liberté, les libertés fondamentales, on peut négocier tout sauf cela, ne sont pas depuis la révolution.